Et et intera pax, en fait, c'est la paix. La paix, la paix, mais elle ne peut pas venir de nous-mêmes, finalement. Enfin, je crois qu'on cherche aujourd'hui la paix partout. Et en fait, la paix est à la fois en nous-mêmes, bien sûr, mais dans notre âme. Et évidemment, la paix, elle vient du Créateur. Parce que, bon, à quoi sert de vivre si c'est pour ne pas vivre? Et intera pax, pour moi, c'était quelque chose qui se voulait comme quelque chose de très paisible, une grande méditation pour dire aux gens, mais voilà, la vie, elle est ailleurs. La vie, c'est pas simplement de courir, la vie, c'est pas simplement de s'exprimer en faisant la liste des morts chaque jour, etc. C'est ailleurs. Et intera pax. Et Gaëtan et Eliane ont été merveilleuses ce soir parce qu'elles ont su exprimer profondément ce que j'ai voulu dire de manière très simple. C'est une méditation, en fait. J'ai été servi merveilleusement par deux artistes. Eliane, je la découvre. Gaëtan, on se connaît très bien. Et évidemment, j'ai beaucoup pensé au merveilleux son que j'aime beaucoup de Gaëtan. Donc, je lui ai servi quelques aigus que j'aime particulièrement chez elle, ses sonorités dans l'aigu et évidemment dans le son grave. J'ai voulu qu'il y ait aussi un petit instant là parce que j'aime ça. Mais ce son très particulier que Gaëtan a et que d'autres violonistes n'ont pas. C'est très particulier ce qu'elle exprime et je crois que ça lui correspond. Cette pièce lui correspond et elle l'a montré ce soir et j'en remercie beaucoup.